Bonsoir et merci pour la confiance renouvelée. Bienvenue à ce nouveau numéro de Uniquement Foot sur DBS. C'est bien l'actualité du football sur votre chaîne de télévision ce soir. Nous allons parler des Lions Indomptables du Cameroun, engagés à la prochaine édition de la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010. On aura sûrement l'occasion de discuter autour de la question centrale de savoir que doit-on attendre de la liste, de la future liste des 23 de Paul-Marie Le Guen. Que doit-on attendre de la future liste des 23 de Paul-Marie Le Guen? Vous aurez sûrement l'occasion de réagir au 3, au 77 59 83 71 par SMS 77 59 83 71. Nous évoquerons aussi les faits marquants de l'actualité du football au Cameroun et puis on aura l'occasion d'en discuter avec nos invités sur ce plateau, notamment Clément Zeko qui est entraîneur de football. Clément, bonsoir. Bonsoir Safi, bonsoir aux téléspectateurs. Lorsque je vous regarde ce soir, j'ai l'impression que vous n'êtes plus en harmonie avec l'équipe nationale de football du Cameroun. Non, pourquoi? En tout cas, avec les Fenech d'Algérie. Je suis en harmonie avec l'Afrique. Et puis, lorsque l'Afrique organise un événement comme ce qui va bientôt se passer, ouais, il faut être de cœur avec toutes les équipes qui sont engagées. Et maintenant que l'Algérie fait partie du Gotha, des équipes africaines appelées à participer à cette compétition, il est de bon temps pour moi aujourd'hui d'arborer les couleurs d'Algérie. Ce n'est pas pour dire que je suis devenu algérien. Tout à fait. Je pourrais mêmement porter une autre couleur que ça, ouais, ne pourrait apporterait aucun rien de nouveau. Merci Clément Zeko. Luciano Tuceux est bien sûr un jeune président de club. Il est bien sûr le président de l'association sportive des jeunes. C'est une équipe qui évolue en troisième division dans la Ligue départementale de football d'Ouvry. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir Safista. C'est un honneur de vous avoir une fois de plus aujourd'hui. Oui, oui. Merci. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de DBS. Voilà, nous aurons donc l'occasion de recevoir sur ce plateau, après Luciano Tuceux, le coach Benjamin Mongo, qui est entraîneur de football. Avec ses entraîneurs, nous allons sûrement parler des Lions Indomptables du Cameroun et précisément de ce que l'on peut attendre des 23, des futurs 23 de Paul-Marie Le Guen pour la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010. Mais avant cela, ouvrons le bal par les quarts de finale de la Coupe du Cameroun, dont les rencontres de retour se sont disputées ce week-end à travers quelques stades de la République. Il faut donc noter que ces quarts de finale ont donc permis de dégager le carré d'as des demi-finales de la Coupe du Cameroun de football. Retenez donc Racing de Bafoussam, Fofou de Baham, Coton Sport de Garoua et Astres Football, les Astres Football Club de Douala ont obtenu leur ticket de qualification pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun de football. Les présidents de Bepanda, il convient de le préciser, ont obtenu leur ticket de qualification face au Nasserin, 4 buts, 5 buts contre 4. C'était donc après les prolongations. Reportage. Les Astres Football Club et l'Union Sportive de Douala se sont neutralisés le dimanche 23 mai 2010 au stade de la réunification de Bepanda dans le cadre des quarts de finale retour de la Coupe du Cameroun de football. Pendant 90 minutes de jeu, aucune équipe n'a réussi à prendre le dessus sur l'autre. Des actions d'éclat se sont multipliées de chaque côté sans succès. Même les prolongations de 2 fois 15 minutes n'ont pas permis de départager les deux formations. Dans ce derby régional, il a fallu attendre l'étape fatidique des tirs au but pour connaître le vainqueur de la confrontation de Douala. Les présidents de Bepanda, grâce à leur bon coup de pied, ont réussi 5 tirs contre 4 pour les Nasserins. Les Astres Football Club de Douala se qualifient ainsi pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun de football. Une qualification arrachée avec manière. C'était une rencontre qui était très disputée. C'était très difficile pour nous. On l'a tant préparé. Et vraiment, nous voici aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis ému et franchement, j'espère que nous allons arriver en finale. Dans le camp de l'Union Sportive de Douala, on a du mal à digérer la défaite. Mais effectivement, ce n'était pas un match si facile, c'était un match difficile, c'est un derby régional. Bon, c'est normal que ça soit comme ça. Vous-même, vous avez vu, ce n'était pas du tout facile, rien n'était facile. Bon, ça arrive, on va faire qu'avec. Pendant que les larmes coulent chez les Nasserins, c'est la jubilation dans le camp des présidents de Bepanda. Les autres qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun sont donc Racing de Bafoussam qui a obtenu son ticket de qualification devant Unisport du Honkamp à 3 buts à 0. Fofou de Baham qui est venu à bout de renaissance d'un Goumou par 1 but à 0. Et puis Coton Sport de Garoua, malgré son nul 0-0 face à Tiko United, se qualifie grâce à son nul 1-1 concédé au match aller joué à Tiko. Voilà donc, après cette confrontation du stade de la réunification de Bepanda, il convient de préciser que l'ambiance était très tendue côté Union de Douala qui tenait absolument à sauver sa saison. Il faut donc noter que des journalistes et des caméramens ont été bousculés après donc cette rencontre. Donc l'ambiance était vraiment morose. Bien après, regardons ensemble ces images. Oh!
Situation confuse au stade de la réunification de Douala après la défaite des Nassara en quart de finale de la Coupe du Cameroun de football. Joueurs et entraîneurs sont tendus. Il devient difficile de décrocher une interview. La panique est générale. Les journalistes sont attaqués. La tension est vive et ça va dans tous les sens. Même les caméramens en plein exercice de leur fonction sont menacés. Quel mépris pour les compatriotes qui n'ont pas droit aux interviews. Paradoxalement, les joueurs de l'Union sportive de Douala accordent des interviews aux journalistes étrangers dont ils ne connaissent pas l'origine. Complexe oblige. Et c'est bien dommage. La défaite n'est pas signe de calamité. Il faut tout simplement agir en toute sportivité. Soyez fair play. C'est aussi ça, le sport. Voilà, c'est bien dommage ce que nous avons vécu après cette rencontre et surtout après la défaite des Nassara. On espère que tout ira pour le mieux, que journalistes et joueurs vont, et footballeurs vont sûrement évoluer main dans la main pour la prospérité du sport et même du journalisme, pourquoi pas. Alors, Lucien Notusseux, vous êtes président de club, votre équipe évolue en 3e division, si je puis dire ainsi. Vous prenez part au barrage dans le littoral. Est-ce qu'on peut savoir dans quelles conditions vous participez à ces barrages? Oui, ça fait ça. Les conditions des barrages ne sont pas véritablement réunies puisque les barrages ont été très difficiles pour une jeune équipe comme AS Jeunes. Je pense qu'avec les prochaines échéances, nous allons, n'est-ce pas, mieux nous apprêter afin de pouvoir jouer au barrage. Lorsque vous parlez des conditions qui ne sont pas réunies, il s'agit de quoi exactement? Vous voyez, AS Jeunes, c'est une jeune équipe. Quand je parle des conditions, je parle surtout le stade qui n'était pas du tout facile pour les jeunes. Mais il y a quand même l'argent au sein de l'équipe. Oui, bien sûr. Ça peut quand même galvaniser vos éléments. C'est pas un problème d'argent, bien sûr. Avec l'équipe, l'équipe n'a pas problème d'argent, ouais. L'équipe n'a pas problème d'administration. Quand je parle de problème, c'est sur le plan psychologique. Pour une jeune équipe, affronter, n'est-ce pas, un niveau un peu élevé de la compétition. Ils ne l'ont jamais fait. Bon, je crois qu'avec les prochaines échéances, nous allons vraiment mieux nous préparer. Est-ce qu'on peut avoir un petit bilan de votre parcours à l'heure actuelle? Je pense que AS Jeunes, c'est une jeune équipe. Nous avons longtemps travaillé ensemble. Parlant du bilan de cette année, à mon avis, en tant que président général, je pense que le bilan est positif. Alors, dites-nous maintenant les résultats. Est-ce qu'on peut avoir une esquisse des résultats déjà enregistrés de votre côté? Oui, la première journée contre les Brasseries. Dommage, on a pris 2 buts sur le cours. Ils nous ont gagné 2-0. Contre ASBB, vous voyez, nous avons joué le match, c'était programmé pour vendredi. Avec l'intense pluie qu'il y a eu ce vendredi, la fédération est obligée de reporter le match au lendemain du jour. Vous meniez quand même. Oui, ce qui n'était pas du tout facile pour les jeunes. Je pense qu'à une phase de la compétition comme celle des barrages où on reporte un match quand je ne mène 1-0, je pense qu'il était normal que le lendemain ASBB puisse vraiment puisse passer au-dessus des AS Jeunes avec leur expérience et la jeune équipe. Mais là vous avez oublié un 6 buts qui se bat quelque part. Oui, bien sûr, justement, AS Jeunes, quand je parle de jeunesse... Ça fait partie du bilan, monsieur le Président. Oui, ça fait partie justement du bilan. Quand je parle de jeunesse, AS Jeunes, nous avons subi... Bon, l'expérience nous a manqué et Bébé nous a surpassé des 6 buts contre 1. Voilà, Clément Zeko, on parle de plus en plus du forum du football camerounais, un forum national qui normalement devrait démarrer mardi, mais qui a été renvoyé, il faut le noter, les 27 mai 2010. Et vous savez, aujourd'hui c'était férié, voilà pourquoi ça a été décalé. Alors, lorsqu'on parle du forum du football camerounais, qu'est-ce que cela vous explique concrètement?
ça m'inspire beaucoup de choses. Et puis bon, j'ai beaucoup d'appréhension, j'ai des questions qui me turlupinent un peu. C'est que à un moment donné, on avait annoncé les états généraux. Ouais. Et puis maintenant, on nous parle des forums. Quelle sera l'issue de ce forum? Qu'est-ce qu'on va faire des résultats, des conclusions de forum? Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas en graduant la différence qu'on peut mettre sur le plan de l'importance entre un forum et les états généraux. Ouais. Est-ce que ce n'est pas un départ pour les états généraux? Organiser un forum n'est pas nécessaire. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai des appréhensions. Ouais. Parce bon, maintenant, ça c'est dans la forme. De ce forum, n'est-ce pas, d'élaborer, n'est-ce pas, des stratégies pour le développement de ce football. Et on va parler financement là-bas, on va parler des infrastructures sportives. Non, attendez, nous allons, si on se met à faire un forum par discipline sportive, on pourra passer une année toute entière. Vous souhaitez que l'on parle des états généraux à faire le forum, ne faire que des forums. Ouais. On va faire pour le foot, on va faire pour le hand, on va faire pour le basket, on va faire pour l'athlétisme, on va faire pour la natation. Il y aura beaucoup de forums. Mais là, c'est la Fédération camerounaise de football qui prend l'initiative et est soutenue par le ministère des Sports. Oui, mais ça veut donc dire que si. Je pense que c'est quand même un début si l'on commence. À mon avis, si le ministère des Sports soutient l'idée du forum venant de la Fédération camerounaise de football, elle peut étendre cette idée sur tous les sports. Parce qu'il n'y a pas que le football qui a le problème. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que le football qui a le problème. Le football même est très bien loti par rapport aux autres disciplines qui sont des parents pauvres du sport camerounais en général. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que fera-t-on des conclusions au sortir du forum. Maintenant, si on a... Parce que il est aussi vrai que parler d'un problème, c'est le résoudre à moitié déjà. Tout à fait. Ça, c'est bien. Mais maintenant, il faudra pouvoir apporter des solutions que palpables. J'ai entendu le président parler tout à l'heure. Il n'a pas voulu pousser le bouchon très loin. Les conditions infrastructurelles pour le barrage sont calamiteuses. Ça fait partie des points focaux qui seront évoqués. Sont calamiteuses. Parce que si vous voyez le stade Mbappé-Lépé au lendemain du match reporté, véritablement, on a joué. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc il y a plein de problèmes qu'il faut résoudre. Non, mais lorsque vous le dites, c'est une façon d'encourager la Ligue régionale. Si vous prenez une décision commune, que nous n'allons pas jouer dans ces conditions, je pense que ça pourrait changer quelque chose. Le forum, vous le savez, ça se passe dans des salons feutrés. Et les solutions ne sont pas toujours... Non, quand je le dis, je veux simplement toucher du droit le problème. Que le tout n'est pas de faire un forum. Pour moi, le tout n'est pas de faire un forum. Résoudre les problèmes. C'est de savoir qu'au sortir du forum, quelque chose va se produire. Tout à fait. Alors, Président, avant de partir, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un forum comme celui qui sera organisé à Yaoundé? Je crois que le coach, il a tout dit. En ce qui concerne le forum, il ne faut pas seulement faire le forum, mais il faut résoudre les problèmes réels qui nous minent aujourd'hui au Cameroun. Mmh. Je crois que, parlant du forum, comme a dit le coach tout à l'heure, c'est déjà résoudre les problèmes à moitié quand on parle du forum. Mais il y a un problème majeur qui nous mine ici, c'est la réalité. On parlera aussi de la fuite des talents à ce forum. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? En parlant de la fuite des talents dans ce forum, je pense que c'est une idée géniale. Mais ce n'est pas ça le véritable problème. Qui est la cause de la fuite des talents. Oui. C'est peut-être les présidents de clubs, c'est peut-être la fédération aussi. C'est les conditions. Les talents, ils vont ailleurs faire quoi? Ils vont ailleurs chercher les conditions meilleures que ce qu'ils ont sur place. Et puis, il ne faut pas se plaindre parce que ce sont les footballeurs. Ou bien les footballeurs. On en parle parce que les footballeurs. Mais est-ce que vous connaissez le nombre de médecins camerounais qu'il y a à l'étranger? Voilà, Clément Zeko, on va sûrement marquer un arrêt pour revenir sur ce que nous appelons affaire AS Matelo, une affaire qui s'est produite au stade d'unification de Bepana et qui a vu le coach Michel Tefouette abandonner son poste. C'est vrai que l'ordre est revenu dans la maison, mais on ne va pas quand même s'empêcher de vous faire écouter ce que pensent les Camerounais qui étaient au stade ce jour, leur réaction. Ils sont bien sûr fans du football. On les écoute dans Uniquement Foot. Show me the way I can go. Take me by the end. Show me the way. Hey, bien, monsieur. Il n'y a pas de niveau. Tu es assis, 90 minutes. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de quoi. Il a peur de gagner. Il n'y a pas de niveau. Tu n'as pas de niveau. Assis 90 minutes. On ne conserve pas. Tu n'as pas de niveau.
Vous avez même cessé d'équipe qui voulait envoyer l'Union de Douala en D2. Il faut voir le football qu'ils ont sorti ici. Ces gens-ci, mais vous allez partir par tous les moyens. Et il va rester stable de bâtir. Ça, c'est les gars que tout leur football se devant l'Union de Douala. Il faut taper l'Union, perdre 10 matchs. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas Marès. C'est salopard. Quand j'ai quelque chose dans ma boutique, j'appelle mon gérant. Laisse pas mal la machine là, tu remets à telle personne parce que j'ai pris de l'argent. Si le président appelle son coach, il dit que laisse le match parce qu'il a eu l'argent. Vous comprenez, non? Quand on ne fait pas en deuxième division, on dit qu'on a vu l'enveloppe au stade, qu'on n'a pas vu l'enveloppe. Nous, le téléphone est là. On a appelé, le téléphone lui demandé. Est-ce que pour ce match, pour vous, vous avez vu l'argent? L'argent est passé. On peut vous prouver, parce que le match est passé. Et vous prouvez que le coach du Matelot, le coach du Matelot a eu quoi de pleurer? Il était sous. Le coach 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 était sous. Vous basez de quoi pour dire que le président a dit cela? Le football c'est un jeu. Le football c'est un jeu. C'est un jeu. On va prendre les enfants, les gens pour venir au stade. Ça, c'est un match qu'on a négocié comme on veut. Ça, c'est un match qu'on a négocié. Je vous dis, quand j'ai ma boutique, si j'ai ma boutique, j'appelle mon gérant, dites-moi à mon gérant que portez la machine, on le met à tête la zone. Si j'ai de l'argent, tout est là. Monsieur le Président, j'ai suivi vos consignes. Il éteint son téléphone, il s'assoit, il coordonne les enfants au stade. Il dit, jouez-moi la paix. Mais maintenant, il dit que le Président m'a appelé. Rien ne prouve. Celui-là, il se ridicule. Voilà, que doit-on attendre de la future liste de Paul Marie Le Guen, la liste de 23 pour la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010. Vos SMS sont attendus au 77 59 83 71. 77 59 83 71. L'occasion nous est donc donnée de recevoir sur ce plateau le coach Benjamin Mongo. Bonsoir coach. Bonsoir Saphir et bonsoir aux téléspectateurs. Vous vivez aujourd'hui au rythme de quoi? De la Coupe du Monde ou tout simplement du football camerounais tel qu'il se porte? Bon, ben, c'est vrai que déjà, il faut le dire, nous vivons déjà d'abord pour l'événement que tout le monde attend, la Coupe du Monde, et naturellement pour le football camerounais, que nous sommes censés ménager tous. Donc, voilà, Clément Zeko, sûrement que l'élément de tout à l'heure a suscité en vous quelque chose et vous voulez sûrement réagir en quelques secondes pour... Oui, mais c'était juste pour dire que les gens qui condamnent le coach dans sa réaction, à mon sens, n'ont pas compris un certain nombre de choses. Lorsque vous brisez le rêve d'un garçon, il pleure. Donc quand le coach pleure et abandonne sa troupe, c'est juste parce qu'il est en situation de quelqu'un dont on vient de briser le rêve. Quand il arrive à Matelot, il savait évidemment que la cause était déjà perdue. Ouais. Et son espoir résiderait à faire
de Matolo une équipe qui peut rester. Comme ça, on pourra garder son nom comme étant le sauveur. Voilà. Maintenant qu'il a sa bien commencé. A été, oui, maintenant c'est joué. Ça a été chamboulé. Donc c'est pour cette raison qu'il pleure. Il faut comprendre ça comme ça. On a brisé son rêve. Voilà, je voudrais donc préciser que la Fédération camerounaise de football tient la réunion de son comité exécutif le mardi le 26 mai 2010 à partir de 18h au Montfébé, c'est à Yaoundé. Et puis le 27 mai sera bien sûr l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football à partir de 13h. Il faut donc noter, avant de parler de la Coupe du monde de football 2010, que nos ambassadrices, les Lions notables du Cameroun, sont allées battre à Kinshasa, la République démocratique du Congo. C'était bien sûr un match éliminatoire de la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui va se jouer en fin d'année en Afrique du Sud. Les Lions du Cameroun ont donc gagné par 2-0. Il faut donc noter que les buteuses ont pour nom Ngono Mani et bien évidemment Françoise Bella. Elles ont dignement représenté le Cameroun du côté de Kinshasa. Match retour, c'est bien sûr le 5 juin 2010 à Yaoundé. Nous invitons donc les amoureux de football à aller soutenir ces jeunes ambassadrices qui représentent valablement le football camerounais. Donc on espère qu'elles vont se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 7e édition en Afrique du Sud. Alors coach Mongo, Paul-Marie Le Guin est un entraîneur, j'imagine bien, qui vous fascine parce que vous êtes entraîneur de football. Alors lorsque Paul-Marie Le Guin a rendu publique sa liste des 30, qu'est-ce que cela a directement suscité en vous, vous en tant qu'entraîneur? En fait, je vais le dire, déjà il faut éviter ce côté qui est le côté de polémique, parce que je constate que ça c'est l'une des grandes pièces pour les Camerounais. Ils aiment discuter, pas polémiquer. Bon, mais attends, voilà. Moi, parce qu'ils ne seront pas tous entraîneurs de Lyon. Il faut toujours utiliser le mot, parce que je le dis parce que ce n'est pas seulement ceux qui parlent en tant que profanes, même les techniciens y arrivent souvent. Donc pour moi, je dis, nous avons choisi Paul-Marie Le Guin comme entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Et je pense qu'il a du charisme et il a des qualités pour pouvoir le faire. Donc avec sa philosophie, je pense qu'il faut le laisser arriver jusqu'au bout. Il a commencé, et il a commencé déjà par qualifier l'équipe nationale. Et ici, je vais vous le dire, avec la liste des 30, vraiment, pour moi, je n'ai pas à discuter là-dessus, parce qu'il faut le dire, quand on arrive déjà à un certain niveau du professionnalisme, il faut qu'on essaie de fonctionner également comme des professionnels. Ça veut dire, quand on a laissé quelqu'un faire un travail, il faut laisser ce monsieur choisir. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin des hommes. Et lui, c'est lui qui doit choisir les pièces. Moi, déjà, je vais regarder dans cette liste. Il y a un joueur comme Bédimo qui n'est pas revenu. Mais ce n'est pas une publicité. Mais je ne vais jamais dire que pourquoi est-ce que le coach n'a pas fait venir Bédimo. Il est le seul qui sait pourquoi. Donc, on comprend que Paul-Marie Le Guin doit être libre de faire son travail, voilà. Il ne doit pas être influencé. Voilà. Alors, coach Zeko, on a quand même quelques soucis parce que les Lions sont déjà en stage du côté de l'Autriche. Ça se passe sans problème depuis quelques temps, d'après des informations que nous avons pu recueillir. Mais on retient quand même qu'il y a un problème qui se pose au niveau... on n'a plus 30 joueurs de toute façon, on est maintenant à 29 joueurs parce que il y a un joueur qui ne fait plus partie de la sélection. Il a donc déclaré forfait. Il s'agit bien de Jacques Zoua, 18 ans. C'est un attaquant qui évolue au sein du FC Bâle en Suisse, donc il ne fera pas partie de cette expédition sud-africaine. Alors, quand une situation pareille arrive, que doit-on faire? Est-ce que cela ne vient pas déstabiliser le système de travail de Paul Le Guin? Oui, ça va déstabiliser sûrement, parce que je crois que quand il appelle, il sait pourquoi il appelle, et il fait partie de stratégie qu'il va mettre en place pour les 30, afin de choisir les 23. Ouais. Mais la loi de la sélection naturelle intervenant, le simple fait qu'il se blesse veut déjà dire que naturellement il est éliminé, ouais. Et on le met de côté. Et de 30 problèmes, Paul Le Guin passe à 29 problèmes, tout ouais. simplement, en admettant que il n'a pas encore toute autre solution, parce ouais. que effectivement, des 30 problèmes, et il va se retrouver avec 23. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est possible de remplacer le joueur? Est-ce que les textes de la FIFA prévoient cela? Oui, les textes de la FIFA prévoient, même si le joueur se blesse, même parmi les 23, si le joueur se blesse, parmi les 23, on peut faire venir quelqu'un qui n'a même pas été en stage. C'est possible. Avant que ça ne commence, c'est possible. Donc, il y a des moyens de substitution. Maintenant, si Paul-Marie Le Guin lui-même estime que ce joueur-là a son alter ego qu'il a laissé, il peut donc nous faire venir celui-là en remplacement. Bon, s'il trouve qu'il n'a pas d'alter ego, il le laisse. Je dis donc, de 30 problèmes, on passe à 29. Donc c'est déjà un soulagement entre guillemets
par rapport à rendre le verdict devant toi. Alors, le joueur se retire, pas par sa volonté, mais il y a un fait naturel qui l'élimine déjà. Alors maintenant, on va regarder le cas des amateurs. Est-ce que vous pensez que les joueurs amateurs convoqués par Paul Le Guin ont la chance d'être retenus pour la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010? Oui, bon, mais Sophie, il faut le dire, si ces joueurs ont été convoqués, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont vraiment mérité. Moi, il faut le dire, j'ai vu Aboulandiana jouer. Je pense que parmi les défenseurs ici, il est vraiment excellent footballeur. Et en dehors de lui, même celui qu'on appelle Mvungu, des canons, et puis Aboubakar Vincent, de Potonsoir. Je pense que tous ces garçons méritent d'être là. Bon, maintenant, je dis, restez dans la liste de 23. Je le dis encore, vraiment, il faut laisser. Le coach peut appeler les joueurs, il est renvoyé après. Il ne faut pas que ça suscite des problèmes. Oui, c'est vrai, mais vous savez, ça n'a jamais fait l'unanimité, surtout lorsqu'on fait part. On m'a dit qu'il y a eu deuil dans certaines familles. Lorsque Paul Le Guin a rendu sa liste des 30, il y a des joueurs qui ne sont pas. Oui, je disais tout à l'heure, parlant de rêve, quand vous brisez le rêve de quelqu'un, il pleure. Ouais. Il pleut. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui nourrissent l'envie d'aller en Coupe du Monde parce qu'ils estiment qu'ils ont les moyens techniques, sportifs pour y aller. Et pour être au moins une fois être appelé, ils estiment qu'ils peuvent repartir. Donc, et quand on n'appelle pas, on est déçu. On est déçu. Mais bon, je voudrais aussi dire quelque chose par rapport aux locaux et aux professionnels. Aux professionnels, non, il ne faut pas. Je m'aligne derrière Joseph-Antoine Bell qui dit que seul le talent vous rapproche ou vous éloigne de l'équipe nationale et non votre situation géographique. Donc le talent, il y en a. Dans notre championnat, il y en a. Mais maintenant, et puis la Coupe du Monde, c'est que par moments on relève un paradoxe dans les propos du coach qui estime qu'il n'y a pas des joueurs de niveau au Cameroun par rapport en Europe, mais curieusement c'est ce même coach qui qu'il ne suit pas notre championnat. Suit au départ, il avait des appréhensions. Quand on arrive, toute personne qui arrive au Cameroun, ces déclarations est plus récente. Oui, non, je dis toute personne qui arrive au Cameroun a des informations préconçues. Ouais. Mais maintenant il faut aller sur le terrain et vérifier. Maintenant, quand il arrive, vu la qualité de notre championnat, il faut vraiment être franc. Voilà, vu la qualité de notre championnat, on a l'impression qu'on peut pas y trouver. Si vous le voulez bien, on va marquer un petit arrêt parce que là, parmi les Lions recalés, on a quand même eu l'occasion de rencontrer un Lion indomptable qui séjourne en ce moment à Douala. Il s'agit bien du défenseur André Bikeamogo qui a bien voulu nous accorder un entretien. Mais on va vous faire écouter juste un extrait que nous avons pu enregistrer de ce côté-là. Mais vous aurez l'occasion de suivre en intégralité dans notre ici sur DBS, ce que André Biquet dit de ses rapports avec Paul-Marie Le Guin. Mais pour l'instant, on va l'écouter dans cet entretien de quelques secondes. Je fais partie de la liste, c'est vrai, c'est bien beau, mais je ne m'attendais pas à plus. Après ce qui s'est passé depuis son arrivée, il m'a mis à l'écart sans toutefois donner d'explication. Il m'a mis dans la Coupe d'Afrique, il ne m'a pas fait jouer. Je crois plutôt que c'est un problème d'homme, ce n'est pas un niveau de performance. Mais bon. Je comprends, tu vois. Dans la vie de tout un chacun, tout le monde ne peut pas s'estimer être ton ami ou bien dire qu'il t'adore. C'est question de feeling. Je crois qu'entre lui et moi, il n'y a pas ce feeling. Et je ne peux pas l'en vouloir. Il est coach, il est censé assumer et prendre ses responsabilités. S'il estime que je ne suis pas à la hauteur de cette équipe à l'heure actuelle, je ne peux rien lui dire. Alors, il est difficile de comprendre votre nom présélection, mais dans ce liste, on retrouve quand même trois joueurs amateurs, parmi lesquels un défenseur, Aboulandiana, des As au Football Club de Douala. Est-ce que face à cette situation, vous qui êtes professionnel, vous vous sentez meurtri par le choix de Paul Le Guin de faire venir un joueur amateur alors qu'on aurait bien pu faire appel à André Biquet? Pour être franc avec vous, ça ne me surprend pas. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouve ça normal de sa part. Parce que, je ne sais pas, ce n'est pas un coach qui connaît vraiment le Cameroun. Il a beau dire que, il a prospecté des joueurs par-ci, par-là, mais je crois que c'est pas vrai dans un sens. C'est pas vrai dans le sens où même si tu fais un stage de 2 ou 3 jours, en 2 ou 3 jours, tu ne peux pas affirmer avoir vu un joueur comme il se doit. Et
essayer de convaincre un bon nombre de personnes et dire que tu vas l'amener en Coupe du Monde. Bref, je suis professionnel, comme j'ai déjà su, mais je n'ai pas vraiment envie de parler de ce genre de choses parce que à la longue, ça va créer des polémiques. Vous déclariez tout à l'heure que Paul Le Guin n'a véritablement pas fait un travail de prospection. Comment est-ce que vous jugez son attitude? Comment est-ce que vous jugez même le spectacle auquel il s'est livré avant de sortir sa liste? Moi, je sais pas. Il est entraîneur, tu vois, mais je crois pas qu'il a pu découvrir de talents cachés comme il essaie de nous le faire comprendre en deux ou trois jours et estimer qu'ils aient le niveau de d'affronter une Coupe du Monde. Je crois pas. Ça c'est à titre personnel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que mon opinion ne compte pas. C'est l'entraîneur qui saura quoi faire. S'il a trouvé bon de les amener, c'est qu'il saura pourquoi. Je ne suis pas dans sa tête. Je ne sais pas ce qu'il pense. Mais je crois que pour nous, d'abord, professionnels, c'est difficile, tu vois. Voilà une Coupe d'Afrique qui est passée. On avait une équipe 100% professionnelle. On n'a pas pu s'en sortir. Le football n'a pas été celui dont on s'attendait. Parce qu'il n'y avait pas cette cohésion dont on attendait. Et je ne crois pas que ce sera avec les amateurs qu'il pourra le faire. Ah, peut-être qu'il pourra faire le miracle, là, je ne sais pas. Mais ce sera vraiment difficile, d'autant plus que c'est d'abord difficile pour nous, les professionnels, combien de fois pour les amateurs qui n'ont pas le suivi que nous avons. Je suis un joueur je crois que j'ai assez d'expérience de cette équipe, tu vois. Trois Coupes d'Afrique, ce n'est pas rien. Je suis là depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Donc je crois que, avec ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ça me donne plus le droit de le dire, de dire que ce sera vraiment difficile pour eux. Voilà, c'était donc André Biquet, défenseur international camerounais. Avant donc de poursuivre, nous allons vous lire rapidement ces SMS que nous avons reçus. Je pense que tous ces joueurs, tous ces gars sont des professionnels et ainsi, quel que soit le joueur choisi, il donnera le meilleur de lui-même et mouillera le maillot. Laissons donc le coach faire son travail. Ça, c'est Théo qui nous envoie ce message. Je ne sais pas exactement de quelle ville. Et nous avons donc un autre message. Je vous salue sur le plateau. Moi, c'est Chef Bafou. Je suis désolé pour Union Sportive de Douala, que je soutiens pourtant. Comportement anti-foot pour la future liste des Lions. Il faut attendre deux matchs amicaux pour se prononcer. Voilà donc, ça c'est Chef Bafou qui envoie ce message. Je voudrais quand même profiter, coach Clément Zeko, pour dire merci à certains téléspectateurs qui nous ont envoyé des SMS la semaine dernière que nous n'avons pas pu lire, mais nous leur avons quand même fait la promesse. Loin de lire ces SMS, nous leur disons quand même merci. Merci à Lamine de Kousseri, merci à Amana qui est donc inquiet, merci à Nana Kambé qui croit que trois joueurs locaux, qui croit aux trois joueurs locaux convoqués par Paul Le Guin, merci à Kamdem de Bepanda, 7e, qui est donc satisfait de la sélection du code de 1984. Et puis Siwe Simon de Yaoundé nous a également envoyé un SMS, il se méfie donc des propos du coach Michel Tefouet. Léa de Mankoulan, qui impose donc que Paul Le Guin fasse impérativement appel à Bedimo et à Mbami avant le 1er juin 2010, que Makoun et Webo nous excusent. Voilà donc ça, nous attendons toujours votre équipe type des Lions Indomptables du Cameroun au 77 59 83 71 par SMS. Alors coach, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de cette liste de Paul-Marie Le Guin? La liste des 23 pour la Coupe d'Afrique, pour non. La Coupe du Monde, pardon. Non, je crois que c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut souhaiter. Parce que attendre, c'est comme si moi j'avais déjà la liste des 23 et je vais voir s'il sera capable de prendre les 23. Sur la base des 30, qu'est-ce que doit-on attendre? Qu'il fasse le meilleur choix possible par rapport au plan et au jeu qu'il voudrait faire. Parce que on peut ne pas choisir les mêmes joueurs. Parce qu'on ne fera pas les mêmes animations. Mais je choisis mes joueurs et je fais une bonne animation et je m'en sors. Donc, c'est un problème d'homme au départ. C'est un problème de foot. Le football est scientifique dans sa pensée et dans sa construction, mais subjectif dans sa réalisation et dans ses aboutissements. Donc, je ne peux pas personnellement dire qu'il va faire ci ou va faire ça. Moi, je souhaite que dans son calme, le plus calme possible, qu'il fasse le meilleur choix et qu'il nous fasse la bonne animation. Parce que l'essentiel pour nous, c'est d'aller le plus loin. Alors, coach Benjamin Mongo, qu'est-ce que vous attendez concrètement de la liste des 23 pour la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010? Oui, en fait, je pense que cette liste de 23, avec les
29 joueurs, si vous voulez. Les 29 joueurs, nous pouvons sortir vraiment une très bonne, je vais dire, un nombre de 23 capables de nous représenter à la Coupe du Monde. Ouais. Maintenant, je reviens vraiment sur ce que le collègue Clément Zeko a dit tout à l'heure. Ça dépend de l'animation, le plan de jeu de l'entraîneur. Là maintenant, les qu'est-ce dispositifs. Que vous souhaitez ? Parce que là, moi, je voulais bon. Savoir ce que vous attendez. Maintenant, je voulais savoir qu'est-ce que vous souhaitez que Paul Le Guen fasse concrètement par rapport aux 29 joueurs qu'il a présentement. C'est vrai, je l'ai dit au départ. Il y a quand même 6 joueurs qui vont Saphir, je l'ai dit au départ. Partir. C'est le choix de l'entraîneur. Mais seulement parmi les 29 qu'il choisit ceux qui peuvent vraiment nous représenter. Et maintenant, derrière Mais pourquoi les entraîneurs n'aiment pas dire les choses clairement Dites-nous clairement les choses. Prenons le risque de le dire. Je veux dire, Saphir, s'il te plaît. Je voulais dire ceci. Vraiment, ne cherchons pas à contourner. Non, vous êtes entraîneur de football. Oui, je suis d'accord. En tant qu'entraîneur de football, il y a des gens qui veulent se mettre à la place des autres. Il y en a qui veulent aussi comprendre. Il y a des autres qui veulent comprendre. Oui. Mais non, je suis à la classe de ceux qui veulent comprendre. Je veux dire quelque chose pour les téléspectateurs. Oui. Nous sommes devant une situation. Nous travaillons avec des professionnels. Oui. Ça veut dire qu'en face de nous, nous avons un entraîneur professionnel. Cet entraîneur professionnel est venu faire un travail professionnel. Et justement, il faut qu'on le laisse faire son travail. Maintenant, derrière son travail, nous allons apporter nos analyses. S'il arrête, il sort une liste de 23 joueurs, nous savons que voilà la liste de 23 joueurs. Derrière cette liste de 23 joueurs maintenant, nous sommes capables de sortir nos analyses. Tel à tel poste, tel à tel poste par rapport aux doublures. Et n'oubliez pas, Paul-Marie Le Guen a sa philosophie de jeu, qu'il adopte depuis Paris Saint-Germain, avec son fameux 4-3-3. Bon, peut-être si c'est Clément Zeko qui prend le club, il pourra aller peut-être avec le 4-4-2. Vous voyez ? Donc ça dépend. Donc c'est pour ça que je change de vous dire que le coach, déjà on ne peut pas choisir les joueurs parce que déjà le système de jeu qu'il va utiliser. Alors, mais est-ce qu'en fonction de cela, vous ne pouvez pas déjà spéculer sur les joueurs probables que Paul Le Guen pourrait retenir ? Vraiment, on ne pense... de vous demander de faire de la sélection, mais au moins on spécule déjà sur la liste. Bon, ça fait rigoler. Clément Zeko, les Lions ont un programme quelque peu surchargé, ou un programme marathon, parce que le stage a bel et bien démarré. Demain, il y a un match amical contre la Géorgie. C'est un match qui va se jouer à 18h à Lens. Il faut également noter que le 29 mai à Klagenfurt, les Lions vont jouer contre la Slovaquie, ce sera à 14h. Et puis le 1er juin 2010 à 19h, le Portugal reçoit le Cameroun. Là, cette fois-ci, le match va se jouer à Covilha. Et puis le dernier match des Lions aura lieu le 5 juin 2010 à 20h30 contre la Serbie. Là, ce sera bien sûr un match qui va se jouer à Belgrade. Et le 7 juin, Paul Le Guen donnera une conférence de presse à Yaoundé, au Yaoundé Hilton. Et puis ce sera à 17h, il faut le préciser. Le 8 juin, à 16h, les Lions vont jouer entre eux un match de football 20 fois 2 minutes, 2 fois 20 minutes, 2 fois 20 minutes, voilà. Et puis enfin, le 9 juin, ils vont quitter le Cameroun pour Durban en Afrique du Sud. Alors, est-ce que les Lions ont vraiment besoin de revenir au Cameroun pour se rendre en Afrique du Sud ? Pourquoi pas ? Ils ne seront pas fatigués ? Non, pourquoi pas ? Le Cameroun a ses habitudes. Ils ne courent pas de nombreux risques. Le Cameroun a ses habitudes. La dernière fois, on lui avait reproché le fait de ne pas recevoir l'onction du peuple. Maintenant, dans son programme, il introduit l'onction du peuple. On ne peut pas le lui reprocher. Mais ce que je voudrais dire, pour une fois, si le Cameroun est passé à côté de la Coupe d'Afrique, c'est simplement que le Cameroun ne s'était pas véritablement préparé. Alors maintenant, en 4 jours, on ne peut pas. En 4 jours. Est-ce que maintenant, Paul Le Guen a le temps de préparer ? Oui, ça fait. S'il y a victoire, on lui concède tout ce travail qu'il a fait. S'il y a défaite, qu'est-ce qu'on dira après ? Non, on va d'abord encourager. Oui, s'il y a victoire. Et rappeler que si on n'a pas gagné autrefois, c'est juste qu'on avait pris avec un peu de légèreté la Coupe d'Afrique. Maintenant, ce que je vous dis, nous sommes en train de spéculer. Tout ce que nous faisons, nous spéculons. C'est la spéculation. Parce que au sorti des différents matchs amicaux, on va déjà commencer à voir le plan, comment ils jouent, quels sont les hommes qui comme luttent. Comme l'a dit le chef Bafou, tout à fait. Il faut le plan, il faut les hommes pour animer ce plan. Et à partir de là, on pourra faire des spéculations. Et voilà. N'oublions pas aussi que le foot c'est un sport de forme à l'instant. Ouais. Si vous êtes en forme aujourd'hui, on vous utilise. Mais si vous étiez en forme plutôt hier, allez, on vous oublie. Vous ne serez pas utile aujourd'hui. Voilà, rapidement, coach, oui, rapidement. Oui, vraiment, j'ai un souci. Ouais. À partir de cette liste, vraiment, il faut le dire, je souhaiterais que Paul Le Guen, en faisant le choix sur les joueurs, vraiment, qu'il privilégie d'abord le côté de la collaboration. Ouais. Ça veut dire le côté collectif. Parce que ces nouveaux joueurs qui arrivent aujourd'hui, je ne sais pas si c'est en 2 semaines qu'il va travailler cette collaboration.
C'est pas évident, de toute façon, ils auront le temps vraiment, de s'adapter. Voilà mon point de vue, vraiment, en faisant le choix des 23, voilà. Que cet esprit, vraiment, les joueurs... L'esprit d'équipe de manière globale. Voilà, de manière globale. Alors, on va marquer un petit arrêt, Clément Zeko, juste le temps de prendre la température de l'actualité du football au Cameroun, savoir comment le joueur se porte, c'est à travers InfoFoot. Du monde à Afrique du Sud 2010, ça bouge au sein des sélections nationales. Les Lions indomptables du Cameroun sont en stage depuis le 20 mai 2010. La présélection de Paul Marie Le Guen affiche 4 gardiens de but, 10 défenseurs, 8 milieux de terrain et 8 attaquants. 3 joueurs amateurs font partie de la présélection de Paul Marie Le Guen. Idriss Carlos Kameni, Samuel Etofis, Jérémy Soren Ditap et Rigobert Sombahanak, formant le corps de 1984, restent toujours en action. Dans l'univers de la première division, quelques talents se sont fait remarquer lors de la 24e journée en retard du championnat MTN Elite One joué au stade de la réunification de Douala. Et Boimbong Bonjo, le jeune capitaine d'AS Matelo, a fait de son mieux face à Fovu de Baham. Il s'est bien comporté au milieu de terrain et a réussi avec son équipe une victoire. Ses performances sur le terrain font l'objet de nombreuses convoitises. Et Boimbong Bonjo, qui joue du brassard de capitaine, est davantage galvanisé. Mais la position de son équipe inquiète de plus en plus. L'avenir de ce jeune footballeur camerounais s'annonce rayonnant. Joseph Tombengomé a une fois de plus été au top de sa forme lors de la 24e journée en retard du championnat MTN Elite One contre Fovu de Baham. Efficace et très entreprenant sur le terrain, ce jeune espoir du football camerounais s'est illustré par ses accélérations impressionnantes sur le flanc. Bon animateur du jeu, Joseph Tombengomé s'est donné du rythme à la rencontre et poussé ses coéquipiers vers la victoire. L'ancien capitaine d'AS Matelo, victime d'un malaise en plein match, s'est rapidement remis. Joseph Tombengomé est un milieu de terrain à prendre très au sérieux. Bonne carrière à ce jeune footballeur au talent merveilleux. Fovu de Baham dispose dans ses rangs des footballeurs au talent impressionnant. Rodrigue Hervé Meteng, défenseur central et capitaine de Fovu de Baham, brille par ses qualités techniques remarquables. Maître à jouer de la défense de Fovu de Baham, Rodrigue Hervé Meteng est un organisateur sans pareil de la ligne défensive de son équipe. Un barreur de rêve qui repousse aussi bien les assauts de l'adversaire. Combatif, efficace et solide dans les duels, Rodrigue Hervé Meteng est un défenseur de charme qui assure son rêve, mener une carrière professionnelle hors du continent. C'est une valeur sûre du football camerounais. Clovis Achoutambé a été encore captivant contre AS Matelo. Excellent sur le flanc et bon porteur de balle, ce jeune footballeur a confirmé son talent à travers ses actions offensives. Porteur des dangers dans le camp adverse, Clovis Achoutambé a mérité sa place de titulaire au sein de Fovu de Baham lors de la 24e journée en retard du championnat MTN Elite One. C'est une étoile montante à prendre très au sérieux. Bon vent à ce jeune footballeur. Au-delà des prestations des acteurs sur le terrain, le match AS Matelo contre Fovu de Baham se passe de tout commentaire. Des langues estiment que Fovu de Baham aurait acheté le match au président d'AS Matelo. Les joueurs et l'entraîneur, n'étant pas au courant des transactions, ont réussi l'opération de la victoire, 1-0. Ce scandale, s'il est avéré, mérite des sanctions sévères. Dans les coulisses, il se dit que AS Matelo, menacé de relégation, voudrait se faire un peu d'argent avant la fin de la saison. Certaines indiscrétions révèlent que le président aurait pris de l'argent à Fovu de Baham. On annonce même le montant de 2 millions de francs CFA sans preuve matérielle. Sabotage ou simple commentaire, difficile à dire. Mais seulement au banc de touche, le siège généralement occupé par le président d'AS Matelo est vide. Et tout de suite, on l'interprète comme une fuite qui s'apparenterait à l'objet de l'accusation. Coupe du Cameroun de football à présent. Mabou Kamasoussi, le latéral droit des Asso Football Club de Douala, a été impressionnant face au Nassara en quart de finale de la Coupe du Cameroun de football. C'est un footballeur physique, technique et dangereux sur le flanc. Il s'en sort bien dans les duels et s'illustre par ses bons coups de pied. Mabou Kamasoussi est imperturbable à son poste. Ce défenseur international amateur est d'une combativité remarquable. Joseph Moumassou reste l'homme orchestre du flanc offensif gauche des Brésiliens de Bepanda. Virevoltant, captivant et rapide, ce jeune footballeur technique est difficile à arrêter comme le vent. Joseph Moumassou donne du fil à retordre aux défenseurs.
C'est un joueur capable de surprendre à tout moment. Joseph Momasso rêve d'une carrière professionnelle radieuse. Bon vent à ce jeune talent, espoir de la nation. Dans les arcanes de l'Union sportive de Douala, Henri Bellet s'est montré dynamique et efficace en quart de finale de la Coupe du Cameroun de football. Bon animateur du jeu, Henri Bellet a brillé par sa présence dans divers compartiments du jeu des Nassara. Même si son étoile n'a pas totalement brillé face au Brésilien de Bepanda. C'est un footballeur plein d'avenir qui malheureusement n'est pas arrivé au terme de la rencontre contre le Brésilien de Bepanda. Jacques Ngemal, le défenseur capitaine de l'Union sportive de Douala, règne toujours en bon maître au sein de sa défense. C'est un acteur qui est pris par la parfaite organisation du bloc défensif de Nassara. Jacques Ngemal, défenseur international à prime, est un bon barreur qui sait écarter le danger en temps opportun. Même en attaque, il sait faire la différence. Ce talent du football camerounais n'oublie pas Dieu lorsqu'il est dans les stades. C'est l'une des forces tranquilles de l'Union sportive de Douala. Au chapitre des insolites vécues au stade de la réunification de Douala, ça va mal au sein d'AS Matelo. Tout le monde dort. Le coach Michel Tefouet alias Capello est en colère. Il perd le contrôle en plein stade. L'entraîneur ne coûte plus personne. Il est vraiment méconnaissable. Où est passée sa chaussure? Personne ne sait et personne ne comprend ce qui lui arrive. Ah, voilà, c'est un joueur qui lui apporte sa chaussure. Le coach se chausse en pleurant. Ça va peut-être, il essuie les larmes. Ce n'est pas tout, Michel Tefouet quitte la scène. C'est grave, Capello est vraiment fâché. Il ne supporte pas le comportement de son président. Le pauvre pleure et dénonce tout. On mène comme ça et ça a mis tant qu'on m'appelle pour dire que laisse ma soeur, laisse ma soeur. Moi, je souffre ici par rapport à toi. On m'a pas donné 5 francs pour signer dans cette équipe. C'est un défi. Je suis surpris, je gagne des matchs, c'est subitement comment ça fait. Non, ça va. Attends, Capello, calme-toi. Je sais que c'est pénible. Qu'est-ce que le président t'a dit au téléphone? À la mi-temps, on me dit qu'il te laisse le match. Il ne faut pas ajouter le match. Le président a appelé. Depuis, il appelle, il ne te touche plus. Attends. Faut voir faire quoi? Faut pas ajouter le match. Hein? Pourquoi j'ai dit un match? Et puis quoi encore? Il me dit, l'Afrique Soudé a dit qu'il ne faut pas que je fasse ça à l'Ouest. Tu peux reprendre? Il me dit, l'Afrique Soudé a dit qu'il ne faut pas que je fasse ça à l'Ouest. Ah, c'est vraiment sérieux. Seulement, voici ce que ton adjoint dit pour nous distraire. Donc, je t'ai dit qu'il a eu un deuil et on a fait tout avant à la mi-temps au vestiaire et puis à la sortie, il fallait aller. Alors, coach, es-tu sûr? Ça, c'est la déclaration maintenant à un que moi je te donne. Donc, je t'ai dit qu'il a eu un deuil et on a fait tout avant à la mi-temps au vestiaire et puis à la sortie, voilà, et je suis resté terminer le match. Capello, qu'est-ce qu'on te veut vraiment? Écoute ce que disent les fans du foot au sujet de ton attitude. Il était sous. C'est vraiment terrible. Capello, que leur réponds-tu? Laissez-moi petit, c'est ma carrière. Alors, Michel Tefouet, alias Capello, dois-tu encore? Oh, ne pleure plus. Dois-tu encore poursuivre l'aventure avec AS Matelo? Je suis plat. Pardon? Je suis plat. Bon, prouvons-nous alors. Et voilà, le coach se retire vraiment. Bye bye Capello, bye bye Capello, bye bye Capello. C'était InfoFoot, merci de l'avoir suivi. Voilà, nous arrivons pratiquement au terme de ce parcours. Je crois que la préoccupation de ce jour était que doit-on attendre la liste des 23 de Paul Le Guen. Alors coach, peut-être pour terminer, qu'est-ce que vous attendez finalement
la meilleure liste possible pour nous permettre de réaliser notre rêve. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose. Toutes les fois qu'on a organisé une coupe du monde sur un continent, généralement, c'est un pays de ce continent qui le remporte. Vous pensez moi, que je suis convaincu que l'Afrique, le Cameroun, vous voulez dire, pourra gagner cette coupe. Moi, je suis convaincu. Voilà. Donc, c'est le souhait que je formule. Alors, coach Mongo. Oui, mais moi, je reste patriotique, mais seulement, c'est vrai qu'il ne faut pas rêver plus que ce qu'on est. Mais en tant que Camerounais, je suis convaincu que nous pourrons avoir une très bonne équipe. Mais jusqu'ici, avec beaucoup de surprises. Voilà, on va quand même lire ce SMS. Je m'appelle Céo Kari de Marois, Extrême Nord. Mon point de vue concernant Rigosson, il a toujours sa place au sein des Lions Indomptables du Cameroun. Ça, c'est un point de vue que l'on respecte. Je crois qu'à la fin, c'est le coach qui va donc décider. Mais je voudrais terminer en disant que pour ceux qui aimeraient avoir les informations sur l'entraîneur Mourinho, sachez tout simplement qu'il va sûrement partir de l'Inter de Milan pour Real Madrid. Et puis, il pourrait signer son contrat mardi ou mercredi. Donc, le montant de ce contrat se leverait à 10 millions d'euros, il faut le noter. Et puis, c'est un contrat qui va durer 4 ans. Il faut le noter qu'il commence déjà à penser à quelques joueurs qu'il pourrait entraîner du côté du Real Madrid, notamment Maicon, qui fait partie de l'effectif de la formation d'Inter Milan. Il parle également, il a également un rêve pour Ashley Cole de Chelsea. Pour ce qui est donc de son départ avec Samuel Eto'o Fils, nous n'osons pas encore nous prononcer parce que, vous savez, c'est progressivement que l'entraîneur confirme certaines choses. C'est même dimanche qu'il a donc confirmé son départ de l'Inter de Milan à travers la chaîne de télévision TVI, une télévision portugaise. Donc voilà, c'est donc établi. Sauf changement de dernière minute, Mourinho pourra donc être du côté du Real Madrid pour la prochaine saison. Il a donc des grands défis à relever de ce côté. Nous allons donc mettre un terme à cette édition de Uniquement Foot sur DBS en vous disant infiniment merci, vous qui avez suivi. Merci à tous ceux qui ont envoyé des SMS. Merci aux entraîneurs qui ont accepté d'être sur ce plateau ce soir, notamment Clément Zeko et le coach Mongo, Benjamin Mongo, toujours disposé à nous servir. Nous disons également merci à toute l'équipe de production de cette édition de Uniquement Foot. Merci à tout le monde. Uniquement Foot, c'est bien lundi à 22h, rediffusion mercredi 11h sur DBS. Je suis bien Safir Ahmed Nazer, je vous adore. Sportivement votre, à plus.